Salut les filles! Démêler ses cheveux frisés ou crépus est parfois très compliqué, alors soit on n'utilise pas les bons outils, soit on n'arrive pas à trouver une bonne méthode pour se les démêler sans casse. Donc à travers cette vidéo, je partage avec vous ma méthode pour se démêler les cheveux facilement et surtout sans heurts. Alors pour cela, je vais utiliser un brumisateur d'eau, une huile capillaire, moi j'ai choisi l'huile de ricin, un beurre végétal au karité, des pinces, un peigne à dents larges, une brosse squelette ou une brosse de type Tangle Teaser. Donc avant cela, je vais bien me masser la tête pour activer la circulation sanguine et détendre mon cuir chevelu. Ensuite, je pulvérise mes cheveux avec le brumisateur pour les mouiller et ainsi pour les hydrater. Donc la troisième étape consiste à appliquer une huile capillaire en la faisant bien pénétrer dans les cheveux. Donc après cette étape, je commence à démêler mes cheveux avec les doigts. Donc je les passe bien dans chaque section pour qu'il n'y ait pas de nœuds, pour que mes cheveux soient vraiment bien séparés. Alors à l'étape 5, je vais ensuite appliquer mon beurre de karité, donc toujours en le faisant bien pénétrer dans les cheveux. Et surtout, n'oubliez pas les pointes, car ce sont les pointes qui généralement sont très sèches. Je vais ensuite séparer mes cheveux en plusieurs parties pour démêler chaque portion avec mon peigne à dents larges. Je passe ensuite un dernier coup de brumisateur pour bien sceller l'hydratation de mes cheveux. Et je me coiffe comme à mon habitude. En touche de finition, mais c'est facultatif, je mets de la crème de coiffage surtout sur les pointes car elles sont très sèches. Et voilà, à présent vos cheveux sont bien démêlés et surtout hydratés et nourris. À très bientôt dans une prochaine vidéo.